clients, donc vous l'aurez compris, ce n'est pas le citoyen. Le client, c'est la collectivité locale. Je vais vous dire une chose. Dans le parcours, vous avez loupé un truc. Il vous a manqué un truc sur mon parcours. Allez-y, allez-y, corrigez. J'ai été pendant longtemps directeur commercial, effectivement, dans le secteur de l'informatique, et j'ai quitté parce que ça manquait de sens pour moi. Je ne dis pas que ça n'en a pas, je dis que pour moi, ça n'en avait plus. Et j'ai ensuite travaillé dans ce qu'on appelle un éco-organisme. J'étais directeur du développement, et c'était la mise en place d'une filière de recyclage. Et à ce moment-là, j'ai découvert le monde de la collectivité locale que je ne connaissais absolument pas. Jusque-là, j'avais des relations commerciales avec des clients qui m'achetaient des choses parce qu'ils avaient un besoin. Et j'ai découvert un monde de conviction. Des gens qui ont envie d'innover, des gens qui sont engagés dans ce qu'ils font. Et c'est bien pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé notamment par remercier le Smith Omnor, c'est énorme. Vous avez dans ces organisations des gens qui ont véritablement le sens de l'intérêt général. Et d'ailleurs, ils l'ont tellement qu'ils ne l'emploient pas. Je vous mets en garde, dès que quelqu'un vous emploie dans une réunion, trois fois le mot « je suis de l'intérêt général », vous sauvez en courant, c'est louche. Donc, voilà comment je perçois l'engagement de nos clients et des gens avec lesquels on a la chance de travailler aujourd'hui. J'ai décidé, effectivement, en 2016, de rendre les clés de la BMW et du salaire qui allait bien avec, pour l'inconnu, et je ne le regrette pas, parce qu'effectivement, aujourd'hui, côté citoyen, il y a une vraie envie, il y a un vrai besoin,